on est tous les quatre issus du spectacle Pogo, qui est un spectacle qui mélange danse contemporaine et musique, rock. Et du coup, on a pris une petite équipe réduite pour aller donner des workshops au collège des 16 Fontaines à Saint-Zacharie. On voulait donc amener un peu l'univers des Pogo, qui traite du coup de tout ce qui se passe dans un concert rock. On voulait du coup dans les ateliers déjà amener les enfants dans cet univers-là, dans la musique rock qu'ils ne connaissent pas forcément. Et en même temps leur donner des bases sur la danse, les mouvements et la relation entre danse et musique. On a fait une première résidence au collège que tous les quatre pour se mettre en recherche de contenu pour les ateliers. On a fait une première représentation devant les élèves, devant certaines classes et devant la classe avec qui on a travaillé. Et ensuite, on a eu cinq ateliers avec la classe de 6e où chaque atelier avait un thème. On leur apprenait une des scènes du spectacle. Première partie d'échauffement, une deuxième partie d'exploration autour de notre thème du jour, et la dernière partie de chaque atelier était réservée à l'apprentissage spécifique de notre pestacle, quoi, pour qu'à la fin on ait un pestacle en quatre chapitres. Et puis aussi d'explorer un petit peu toutes les règles qui régissent le monde du spectacle, donc des trucs très simples comme les artistes sont sur scène et le public est dans les gradins, quoi. Et de voir comment et pourquoi on pouvait parfois enfreindre certaines règles pour créer du mouvement artistique et créer quelque chose de nouveau dans une pièce chorégraphique et musicale. En un mot, je dirais amusement, parce que j'ai beaucoup aimé le fait qu'on a fait plein d'ateliers au début, et être avec mes amis, c'était trop bien. Moi, je dirais rock. Moi, je dirais fantastique, parce que c'était un bon projet, on était tous ensemble et on s'amusait bien. Moi, c'est le chaos, quand il se passe à la fois tout, mais à la fois n'importe quoi, que tout le monde va un petit peu où il veut. Alors, il n'y a personne qui se fait mal, donc du coup, moi, j'aime bien le fait de faire ce qu'on veut, comme on veut, dans tous les sens, sans se faire mal. Quand on me l'a présenté, j'étais super contente, surtout du fait que j'ai trouvé ça drôle parce que toute la classe râlait. Mais maintenant, je trouve ça encore mieux que quand on nous avait expliqué, parce qu'on fait un vrai spectacle et personnellement, je suis devenue proche de tous les animateurs, on va dire.